Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, petite partie tranquille contre un joueur polonais, Siemaneczko, 231. Bien, alors je suis les noirs, il est les blancs, et nous avons 10 minutes, des parties de 10 minutes. Ouais, j'aime bien. C'est très classique, c'est en mode rapide. Voilà. Allez, c'est parti. Il se déclare par le pion de sa reine, à ce je réponds par un petit pour faire une ouverture française, c'est-à-dire ce monde-là, ici, et là, boum, entrée électrique, il sort son cavalier. Ok. Dans le prochain épisode, alors là, je suppose, oui, bon, j'ai du choix, je fais ça. Bon, je fais pas attention, je sors mon fou. On se prévoit sortir mon cavalier. De l'autre côté de la rive, pour voir que je veux faire. Pour attaquer ce pion. Là, il sort son pion. Pour protéger là. Celui-là. Je sors comme mon cavalier. Il continue son développement. Il fait une petite pyramide là. Regardez. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Voilà. Tranquille. Ça va être un peu moins. 8028, je sors mon pion pour éviter qu'il se gare ici. Voilà, je le mets là. Il a laissé son empreinte dans la France entière. Et voilà, il sort son cavalier. Son nom, Sébastien Leprestre, dit Fauban. Hop! J'avance, j'attaque son fou. J'avance le pion pour attaquer son fou. Normalement, il recule toujours. Normalement, il recule. Voilà. Voilà. Tranquille. Bon. Et je continue. Lancer. Je lance ce pion pour pouvoir faire les échanges. Tac, tac, pour taper un peu, venir un peu cette structure-là. Hop, c'est ce qu'il fait. Je reprends. Et je regarde le milieu, le centre. Toujours. Là, il bouge son fou. On a fait ce pion. Là, pas ici, il ne s'en sert à rien. Bon. Tac, je sors. Je menace son fou, en l'occurrence là. Dans les menaces là, il sera repris par son cavalier. Mais c'est un échange. On fait que des échanges là pour l'instant. Il sort son cavalier. Il joue son cavalier. Tac, moi je le reprends. Il me reprend avec son cavalier. Hop, je sors ma reine pour pouvoir roquer le grand roc. Il sort sa tour. Tac, je menace ça. Mais j'ai dit non, finalement non, je vais menacer sa reine. On va voir maintenant le pleutre ou pas. C'était le bon truc. Comment Vauban a-t-il fait évoluer ses techniques pour que ses constructions résistent le plus okay. possible à l'envahisseur? J'avance pion pour menacer son cavalier. Ici, il y a 9 minutes et je suis déjà à 5 minutes. On va m'expliquer comment c'est possible. Je réfléchis beaucoup. C'est pas le bon plan. Voilà, il bouge son cavalier sur le côté. Là, excusez-moi, sur le côté, là, mais un cavalier sur le côté, on vous l'a dit, ça ne sert à rien, puisqu'il est menacé, sur sa dame, mais il est protégé par son fou, donc je ne le prendrai pas. Hop, je lance mon cavalier, hop, de son cavalier, pour voir que ma reine est protégée, parce qu'elle était toute seule, elle sera protégée par ce fou, et ce fou sera protégé par ma dame, ainsi de suite, quoi. Il avance son pion pour protéger ça, parce qu'il était son cavalier était tout seul, donc il a avancé son pion. Alors, je continue d'avancer. Là, j'avance mon pion pour menacer son cavalier. Et ben, je sais pas, il a oublié qu'il a, il a roqué. Ben ouais, son cavalier partout où il allait, il était foutu. Ici, il était protégé par sa reine. Bref, il y avait échec au cavalier, mais je préfère. Il a oublié. Hop, je le prends. Il me reprend. Et là, il se retrouve avec deux pions avancés. Ça ne sert à rien. Ah, j'hésite. Je le prends ou pas.
Là où je veux faire, je préfère avancer mon cavalier. Il avance son pion. Alors j'ai le choix, je le prends par là ou là. Bon, boum, j'avance. On a fait son fou. Ici ou ici. Je vais revenir en arrière. Il faut revenir en arrière. Hop. Il avance, il pond. Alors il a fait quoi? Il a pris mon pion. Bon, bah, hop, je prends le fou. Et le oui ou quoi? Il va me reprendre avec son pion. Voilà, la case est ouverte. Oh, la case est ouverte ici. Et son cavalier encore tout seul. Regardez, je pourrais prendre mon fou là. Mais son... oui, il est protégé. Pas ce pion. Bon, moi je reprends le pion qui m'emmerdait là, et hop, j'avais le choix entre celui-là et celui-là, j'ai préféré celui-là. Il ne l'a pas inventé, il existe quasiment un siècle avant lui. Alors il avance à tour, je n'ai pas compris pourquoi. Je prends, et je lui fais une fourchette. Tour. Cavalier, mais je ne prendrai pas la tour, la tour est protégée par le roi. À part si je bouge mon... ben, mon fou ici, mais il est protégé par ce pion là, ce pion le gêne, donc c'est un très mauvais coup. Hop, il protège sa tour avec sa reine, et laisse celle-là, et laisse son cavalier. Ah, cavalier, ça l'a quand même, je prends. Là, ça commence à sortir le pâté. Là, il n'y a plus que 3 pièces. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 pièces contre lui. Voilà, il prend. Ça aurait été mieux si ça avait été sa reine ici. Là, il y avait un échec. Hop. Ouais, ouais. Ça aurait été mieux si c'était sa reine. Mais c'est que ce sont cavaliers. Il y avait échec et mat. Mais là. Malheureusement, c'est que son fou, ça ne sert à rien. Alors moi je prends, je menace avec sa, avec mon cavalier, je menace sa tour. Il prend mon pion et met en porte-à-faux. Menace mon fou, mais qui ne sert à rien, il est protégé par ma tour, ici et ici. Donc voilà, et là il reste, j'ai 1 minute 13, lui il a 7 minutes. J'ai 1 minute 13 pour le mettre échec et mat. Ah, ça va pas être facile. C'est un apprenti. Allez hop, puis, j'avance mon tour. Un apprenti pour devenir compagnon, il fait un chef d'œuvre. Ce chef d'œuvre, ce sera lui. Hop. Mais ça sera la synthèse de tout ce que. Il avance son pion pour menacer ma reine. Pour menacer ma reine, mais encore, ça sert à rien. Ça sert à rien, mais à rien du tout, même. Allez hop. Bon, bah, écoute, ça, c'est étonné. Je prends échec. Hop, il se met là. Ah, si j'avais pas, si j'avais retiré ce pion, il y avait échec et mat là. Et je l'ai pas fait. Merde. Bon bah, la vente d'un. J'annonce pas tout ici. Et là. Et là. Il met échec avec sa tour. Je mets ma tour ici pour m'approcher et pour le reprendre. Et là. Et ce projet n'a pas plu au roi. Et donc, il me met échec avec la reine pour pouvoir taper ma tour. Mais s'il prend ma tour, je lui prends la sienne. Voilà, je lui ai pris sa tour. Voilà. Et lui, il me remet échec. Il aurait dû prendre ma tour. Il aurait. De toute façon, là, regardez, ma tour est ici, elle est ici. Et là, il me remet échec, mais c'est vraiment le champ du signe. Hein. Allez, je m'éloigne. Et là, j'attends qu'il se mette ici pour me mettre échec. Il ne peut pas me mettre échec ici, il ne peut pas me mettre échec ici. Il aurait dû me mettre échec, même pas ici. Voilà. Ici, c'est là qu'il fallait qu'il aille. Enfin bon, il a foiré. Hop, il met échec. J'ai plus que 16 secondes. Regardez là, 16 secondes. Ah là 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 là. Et là, il a fait l'erreur. Il est sous la garde. Je le prends avec mon cavalier. Ping! Il n'y a plus rien, il n'y a plus que des pions. Allez, allez. Il dépasse son tour, qui ne sert à rien. Là encore. Et là, j'ai 9 secondes. Et là. Bing!
échec et mat. Donc je trouve, voilà. 3 secondes. Et voilà, échec et mat. C'était dur, mais je l'ai eu. Il était temps, hein. Bonne journée.